Et voilà, donc on se retrouve pour ce troisième épisode. Donc exactement là où on en était resté. Donc on cherche toujours... je peux pas couper les feuilles avec la pique par contre. Voilà. Donc là il faut que je change d'arme. Donc on nous avait dit d'aller au sud, dans la forêt de Pandore. Donc je continue d'aller le plus au sud possible. Par là je peux pas. La pique est bien sympa pour les combats, donc on va prendre la pique. Franchement ce jeu, ce jeu est génial. Donc on continue de descendre. Il y a juste un petit truc, par exemple j'ai mis le... On va le faire d'ailleurs. C'est vrai que je parle des fois, je finis pas mes phrases, mais c'est comme ça que je suis en train de... Vous avez vu que j'ai changé un petit peu la fenêtre. Donc on voit un petit peu mieux le texte. Alors, on a équipé tout à l'heure un poignet. Et je pense que ça ajoute de la défense. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désactiver. Regardez un petit peu dans les stats. On va regarder défense, on est à 18. Et ce qu'on va faire, on va le remettre pour voir si c'est bien ça. Et bien comprendre. Non, là je me suis trompé. Ça on l'a vu, je suis vraiment pas très en forme aujourd'hui. Donc on va rééquiper ce poignet, là je pars en coup. Non. Donc on récupère, on était à 18, on va aller voir maintenant si ça monte quelque chose. Effectivement on est à 19. Donc les objets qu'on équipe, c'est pour la défense, je pense. Peut-être il y en a d'autres pour la magie, etc. Mais ça je ne peux rien dire, je n'en sais rien. Allez, on continue. Oula, il y a quelque chose en haut bizarre en haut. On ne sait pas si c'est un ennemi. J'ai hâte d'aller voir ce que c'est. Ah, c'est quelque chose qui nous fait remonter. Ouais, le problème, c'est que je me retape tout le chemin pour redescendre. Parce qu'à aucun moment, j'ai voulu remonter. C'est pas grave, on apprend. On sait que ça, ce genre de petit Pac-Man, là, c'est pour nous aider à remonter. Alors, on voit un petit pont. Par contre, pour l'instant, les environnements se ressemblent énormément, je trouve. Ah. Non, je voudrais monter encore du niveau, ça y est, arme au niveau sup. Bon, ça c'est pareil, hein, je fais plus de dégâts sûrement. Mais je suis vraiment mauvais. Qu'est-ce que je suis mauvais? Oh! J'ai peur de l'approcher en fait. Voilà. Alors, on descend, on passe de pont. Vraiment, ça se ressemble un peu trop, mais bon. Je l'ai même pas vu, je pense. Franchement. Alors, on n'est toujours pas à Pandore. Alors, je vous ai dégoté un guide à télécharger en PDF. Je pense que je vous mettrai ça en lien. Alors, moi, je ne l'ai pas regardé du tout. Hein, je veux découvrir, mais pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, c'est le royaume de Pandore et pas la forêt de Pandore. C'est vrai que moi, je m'invente pas mal de choses. Ça y est. Alors, voici ces Pandore, on m'a dit de te laisser passer à ton arrivée. Ok, d'accord, on s'entend. Maître Jean de Tasnika est dans le château avec le roi. Au fait, évite de parler aux gens de la ville. D'accord, on va éviter de le faire. Oui, je sais, vous m'avez dit non. Bon, on parle à personne, on va essayer d'aller voir. On va quand même sauvegarder, non?
Ça, on a le droit, non, c'est pas mal pour rentrer à la rue. Alors, tu désires rester, allonge-toi, si tu veux. Non. Moi, je vais juste sauvegarder. Bah oui. Voilà. C'est fait. Au moins, on a sauvegardé. Maintenant, on va essayer donc de trouver les gens. Le château, quand même, on verrait que c'est un bâtiment spécial, non, je crois. Je dois pas te parler, on m'a dit non. Là, d'après moi, je sors, hein, mais c'est pas... Voilà, je sais. Il est où, ce château? Jean t'attends au château. C'est même pas ça, le château, non? Non, il n'y a pas Jean. Le château. C'est pas là. Ça, c'est mémé, ça. Mémé! Tu peux me dire où est le château? C'est le château de Pandore. Ok. Ben, c'est exactement là où je voulais aller. Alors, on est au château, Jean doit nous attendre, toujours pas de gens, je dois parler à personne, on me l'a dit. Mais en même temps, j'ai bien envie de leur demander, tiens, viens, lui. Je me demande si Tom va bientôt revenir, il a promis de jouer avec moi. Donc, okay, je comprends pourquoi il faut parler à personne. Toi, dis-moi où est Jean. La sorcière dans la nuit, c'est un sale coup, depuis peu les gens sont bizarres, c'est pour ça qu'il faut pas que je leur parle. Ça, c'est pas le roi, ça. Ce territoire course à sa perte, une sorcière lui a lancé un sort. Mais à qui? Bon, franchement, je comprends rien. Moi, je veux juste... Jean, il m'attend au château, non? Je peux en parler. Ah. Ce que tu peux être, vieux jeu, papa. Je suis parfaitement capable de m'assumer toute seule. Pousse-toi. Non, ça va. Bon, mon papa, ça doit être le roi. Mais il n'y a pas de gens là. Il est où, Jean? Mon Dieu. Si elle est si égoïste, c'est parce qu'un homme l'a élevé. Sans mère, son éducation n'a pas été facile. Il voulait qu'elle ait un beau mariage, avait donc arrangé son mariage avec un jeune noble. C'est beau, ça. Et voilà qu'elle me dit qu'elle aime un soldat. Bah oui, c'est ça. C'est plus moderne. C'est le problème, monsieur Master. Qu'avez-vous l'intention de faire? Oublions cette conversation, cela devient vraiment d'un impertinent. Bon, okay. Sinon, Jean, il n'y a personne qui me dit où il est. Voilà, pour moi, c'est la salle là. Et voilà, Jean. Algui, tu es ici, je suppose que tu as vu ce qui est arrivé aux gens. Non, on m'a dit de pas leur parler, donc j'ai rien vu. La sorcière, bon, ça c'est beau. Sorcière. Draine l'énergie des gens. Ces gens vont dans les ruines situées dans la partie sud de la ville. Je vais inspecter les lieux, en route pour Gaïa. Et moi, je dois venir? Ça ne m'abandonne pas, moi je viens avec toi. Moi aussi, mais je ne vais pas rester là à discuter sans cet ange. Alors, si je me souviens bien, c'était là. Alors lui, il tournait dans tous les sens. Je suis sûr qu'il y a un autre passage dans le château, mais j'ai pas envie de le chercher quand même trois jours. Moi, je veux aller dans les ruines. Combattre, je sais pas quoi, mais je veux combattre. Monter de niveau. Je vais quand même pas leur demander où est le sud, on y va. Donc, c'est sûrement le passage qu'on a pris tout à l'heure, où on est sorti. Je suis un petit peu par là, je crois. Ah. Alors, Jean, reviens ici. Là, il y a un truc. Je crois que je m'approche des ruines. Je ne peux pas leur parler, mais je vais leur parler. Bon, je vais dire un peu. Ah. Je crois qu'en fait, c'était pas ça que je devais faire, moi. Mais où est passé Jean? Et là, il y a un truc bizarre. Non, il n'y a pas de truc bizarre. Je suis en porte.
J'aurais dû parler au roi ou attendre que Jean revienne, je pense. Bon, on se refait le chemin à l'envers, on remonte, parce que bien sûr je suis pas doué. Allez. Il y a peut-être un passage plus rapide, non? Allez. Sur le côté, on dirait. Non, non. C'est peut-être les caves. On va remonter, on va essayer de parler au roi. Il y a bien quelqu'un qui va me dire ce que je dois faire. Je crois rêver, mes gens se comportent comme des zombies. Mes hommes, partis combattre la sorcière, ont été capturés. Ouais. Banni de ton village? Ce royaume a des problèmes aussi. Il serait sage que tu partes d'ici tout de suite. Ah bon? Ils veulent me bannir aussi? Et lui, toi? Quelle honte. Jusqu'à présent, ce pays était si pacifique. Sérieux, faut que je fasse quoi? Ah, viens voir quoi. C'est bien la première fois que je vois le roi s'y préoccuper. Non mais c'est pas sérieux, je dois faire quoi? C'est la pièce du trésor que je dois garder pour le chevalier de la légende. Mais c'est moi, je jure c'est moi, donne-moi le trésor! Non. C'est parce qu'ils le savent pas encore. Et toi, tu me dis qu'est-ce que je fasse? La chambre du roi, avec ça on avait deviné. Tu dois partir, hein. Mais moi je pars, je veux bien, mais... Oh, sérieux... Ok, je passe par là... On dirait qu'il y a une épée en bois, hein. Un marteau, quelque chose... Ouais. Bon, désolé, hein, je vous fais perdre du temps, je redescends encore une fois... Et toi, tu veux pas me dire, les ruines au sud sembleraient sceller quelque chose de magnifique. Ouais, très bien. Et toi, tu veux pas me dire, il faut que j'y aille, tu sais. Ok, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est quand même difficile de faire des voiles trous, je trouve. Parce que souvent, soit on a rien à dire, ou soit on galère et on vous laisse galérer avec nous. Mais c'est quand même sympa, c'est quand même sympa de faire le jeu, de toute façon. Et puis de le faire à découvrir, de faire découvrir aussi ce que je ressens. Parce que, outre le fait que ce soit très très nostalgique pour moi, ça reste un jeu quand on aime jouer. On aime bien le faire partager. Bon, moi je voudrais trouver Jean. Le problème, c'est qu'une fois que je suis là, je ne peux pas passer, je ne peux pas combattre. Là c'est parce qu'en fait il y a l'ombre, je comprends. Là il y a personne qui veut nous parler, donc moi je suis bien au sud, mais je ne vois pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Je trouve rien qui me permette de monter. Et je crois que tout le monde est en version zombie. Et voilà quoi. Donc là, je suis un petit peu perdu, donc je vais couper, je vais chercher, et puis je vous reprends dès que je sais ce qu'il faut faire.